Bonsoir, bienvenue au webinaire de ce soir. Euh, donc, mon nom est Karine Gravel. Est-ce que vous me voyez bien à l'écran, Karine? Oui? Oui. Parfait. Donc, euh, mon nom est Karine Gravel. Euh, je suis de Mieland, Canada et euh, je suis accompagnée aujourd'hui de Karine Gincra euh, d'une maison de soins palliatifs. Et je vais vous la présenter dans quelques instants. Mais j'aimerais ça, euh, pour commencer, vous donner quelques directives pour la session de ce soir. Donc, je vais partager mon écran. En fait, là, vous allez peut-être mêler ce soir deux Karine en ligne. Donc, euh, moi, je suis de Miélom-Canada, je suis gestionnaire en fait euh, régionale pour toute la région de Québec et je m'occupe de l'éducation de euh, des patients en Mielombe et aussi euh, de l'engagement communautaire pour la région. Et euh, je reçois Karine Gingras. Bienvenue Karine, qui est coordonnatrice à la maison victor gardebois et je vais euh, lui laisser la parole dans quelques instants, mais je voulais juste, dans le fond, remercier nos partenaires sans qui ce euh, serait pas possible de, de monter du matériel éducatif euh, comme les webinaires qu'on qu fait ce soir. Et puis, euh, la façon qu'on va fonctionner, euh, vous allez voir, dans le fond, dans, dans votre barre de menu, euh, vous devriez voir Q et R pour questions et réponses. C'est la façon où est-ce que vous pouvez euh, cumuler vos questions tout au long de, de la présentation de Karine. Si vous ne voulez pas les oublier, euh, rentrez vos questions tout de suite là-dedans. Je vais les adresser à la fin du, du webinaire. Euh, et euh, si vous voulez poser vos questions vous-même, à ce moment-là, euh, peut-être les noter euh, pour ne pas les oublier. Puis à la fin, à la période de questions, euh, utilisez le, le petit icône de la main pour que je puisse euh, adresser dans le fond vos questions à tour de rôle et que ce ne soit pas trop chaotique. Donc, la formation d'aujourd'hui est enregistrée. Donc, euh, vous allez pouvoir y accéder sur notre chaîne YouTube. Et euh, la façon d'y aller, dans le fond, c'est que vous allez sur notre site euh, à mielong.ca et vous allez dans l'onglet Ressources, vous allez pouvoir peser sur Vidéo éducative et ça vous emmène directement à notre page YouTube. Vous pouvez aller directement sur YouTube et faire une recherche pour Mielong Canada, aussitôt que vous trouvez la, la petite fleur rouge, vous êtes au bon endroit. Donc, euh, si vous cliquez sur « Vidéos et playlists », vous avez une série de, de vidéos, dans le fond, de, de webinaires qui sont enregistrés, euh, des, euh, des partages, de, des, des témoignages plutôt de, de patients. Vous avez des infos vidéo, vous avez beaucoup de matériel, que ce soit lié à la maladie euh, du myélome ou les traitements. Ou un entretien avec un pharmacien, par exemple. C'est vraiment très varié. Je vous, euh, je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil. Et si vous pesez sur s'abonner, ce que ça fait, c'est que vous allez être notifié chaque fois qu'on met du nouveau matériel sur notre page. Donc, voilà. Je vais départager. Et je laisse la parole à Karine. Bienvenue, Karine. Merci. Merci de me recevoir chez vous. Où que vous soyez. Alors, à mon tour de vous partager mon écran. Est-ce que c'est bon? C'est parfait. Oui. oui, super. Alors, aujourd'hui, on parle de soins palliatifs. Peut-être que c'est un thème qui vous a surpris. Euh, je vais expliquer. Euh, vous avez probablement vu une vignette là avec euh, les différents thèmes de la présentation d'aujourd'hui. Comme disait Karine, je vous invite à prendre euh, en note vos questions. Puis on va discuter un peu de ce que c'est les soins palliatifs, mais principalement sous l'angle justement des mythes associés aux soins palliatifs. Donc, c'est quoi les idées qu'on a par rapport à ces soins-là qui sont peut-être fondés, peut-être pas. Alors, on va tenter de, de démystifier ça aujourd'hui. Euh, D'abord, euh, la vignette euh, qu'on a l'habitude de voir, je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec euh, la présentation. Je commence par un petit mot de bienvenue. Euh, peut-être qu'on ne se connaît pas, peut-être que oui. Alors, je n'ai pas vu toutes les personnes qui se sont connectées, mais je vous fais euh, rapidement une petite euh, présentation de C'est qui ça, Karine qui travaille à la maison euh, Victor Gadbois. Euh, alors, je suis infirmière, moi, de formation depuis bientôt euh, 25 ans. J'ai eu un premier contact avec les soins palliatifs au tout début de ma carrière, mais à ce moment-là, pour moi aussi, soins palliatifs, ça rimait avec fin de vie. Alors, euh, j'ai appris que ce n'était pas nécessairement ça, mais euh, en tout début de carrière, comme jeune infirmière, les, les patients en soins palliatifs dont je prenais soin, c'était des patients qui étaient en toute fin de euh, leur maladie euh, au centre hospitalier. Euh, suite à quelques années, donc comme infirmière euh, volante en médecine, oncologie, chirurgie, gériatrie, je suis devenue enseignante euh, au Cégep. J'ai enseigné les soins infirmiers pendant presque 17 ans ou environ 17 ans. Et là aussi, j'ai été en contact avec les soins palliatifs par choix. J'aimais beaucoup mettre mes élèves en contact avec ce que c'était les soins palliatifs, les soins de fin de vie. Il y a euh, déjà euh, plusieurs années, j'ai été embauchée en partiel à la maison Victor-Gadebois, donc je faisais les deux. J'enseignais et je venais ici pour me ressourcer. Être à la maison Victor-Gadebois, pour moi, c'était euh, réconfortant, c'était euh, un baume bon, ça, euh, ça a guéri certaines choses en moi par rapport à, à lui-même, mais aussi par rapport à l'infirmière que j'étais qui était souffrante parfois avec ce que je vivais dans le réseau ou dans l'enseignement. Et un des aspects importants de la maison de soins palliatifs, c'est la présence des bénévoles. peut-être que j'en parlerai pas tant durant la formation, mais il faut absolument que je le mentionne parce que côtoyer les bénévoles ici à la maison, ça m'a redonné foi en ce qu'il y avait de bon chez l'humain. Vraiment, on a des gens très, très dévoués dans notre maison. Et euh, depuis environ trois ans, je suis dans mon rôle actuel à la maison Target Bois, qui est de coordonner les formations, les demandes de recherche qu'on reçoit et euh, ce qu'on appelle le déploiement clinique. Donc, quand il y, y a des nouvelles choses qui apparaissent au niveau des soins palliatifs, euh, c'est moi hein, qui, qui, qui sert un peu de courroie de transmission avec le reste de l'équipe pour euh, que, que nous on puisse mettre en application ces nouvelles façons de faire là. Et là, ben, il faut que je mentionne ce qui m'a amenée un peu à travailler avec euh, Mielom Canada aujourd'hui, c'est que j'ai eu un appel euh, à un moment donné en, en 2022 euh, de Danny pour Mielom Rive Sud qui me dit ah, ben, on est à la recherche de formation, mais pas des formations qui expliquent c'est quoi la maladie, c'est quoi les traitements. On, on cherche d'autres sortes de formations. Puis après plusieurs échanges avec Dany bon, on a convenu d'une rencontre où on a reçu à la maison ici un, un groupe de personnes qui étaient atteintes du myélome et leurs proches. Il y avait aussi des gens en ligne et ça a été vraiment toute une expérience pour moi. Puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est que euh, habituellement, moi, dans mes formations, je, je m'adresse à des professionnels. Donc, ce sont des gens du réseau qui vont venir chercher des outils pour mieux accompagner leurs patients. Et là, je, je me suis trouvée devant une salle avec des gens qui, qui sont atteints de la maladie et leurs proches. Et ça m'a demandé quand même de, de m'adapter à, à un vocabulaire ou à une approche peut-être un peu plus sensible. J'ai commencé à ce moment-là en leur disant, c'est une première expérience pour moi de cette façon-là. Sentez-vous très à l'aise de me nommer si jamais il y a des choses que vous avez besoin que je clarifie. Mais surtout, j'espère, puis je vous l'ai mis là, j'espère que je ne vais pas vous brusquer par ma façon de nommer des choses qui vous touchent directement. Euh, ça se peut que certains de mes propos viennent chambouler chez vous euh, des, des, euh, des émotions, des pensées, peut-être de l'anticipation. Alors, euh, si jamais c'est le cas, c'est vraiment euh, pas par manque de délicatesse. Et je vous invite euh, à rester aussi suite à, à la formation, comme disait Karine, à la présentation, comme disait Karine, pour, pour échanger. Ça me fera plaisir de, de recevoir ce que vous aurez à partager. Si vous avez des questions, d'y répondre au mieux de mes connaissances. Alors, euh, voici qui je suis et ce qui m'amène aujourd'hui euh, à votre rencontre. Alors, le plan de la présentation, je vais commencer par vous parler un peu de la belle maison dans laquelle je travaille, la maison Victor-Gadebois. Euh, ensuite, on va voir ce que c'est les soins palliatifs dans leur définition, mais aussi avec quelle philosophie on travaille. Euh, et on va terminer par un bloc sur, comme je vous disais, qui, qui est peut-être la portion la plus centrale de la présentation d'aujourd'hui. Euh, tous les mythes et toutes les croyances qui circulent en lien avec les soins palliatifs. Évidemment, je ne peux pas toutes les aborder, mais je vais en aborder certains qu'on entend souvent. Et on va terminer avec, euh, ben, c'est quoi au juste les impacts de ces mythes-là qui nous habitent ou de ces croyances-là qu'on a, puis pourquoi c'est important de réfléchir euh, à ce qui nous habite parce que ça a euh, des retombées sur les gens qu'on va accompagner. J'espère que j'ai été claire et que je n'ai pas fait trop de E <laughs> jusqu'à maintenant. Euh, alors, euh, notre offre de service à la maison Victor Gadebois, vous l'avez, j'attire votre attention sur la flèche vraiment qui est comme un continuum. Je pense que c'est une de nos richesses à la maison, une de nos forces de pouvoir accompagner euh, beaucoup de gens à différents stades de leur maladie, vraiment selon leurs besoins. On a un seul numéro de téléphone pour avoir accès à tous ces services-là. Alors, une personne dans le besoin appelle à la maison, euh, va préciser son besoin et va rapidement être dirigée vers le soin, le service ou le professionnel qui va pouvoir répondre. Alors, je commence par le centre de jour. Vous voyez le rectangle complètement euh, à gauche qui est vert. Parce que à la Maison Victor Gadebois, on, on accueille des gens qui sont euh, assez tôt dans le parcours de leur euh, maladie. Pour répondre à, à une question qu'on a eue avant la présentation, donc, euh, on n'a pas uniquement un volet hébergement pour les gens qui sont en toute fin de vie de leur maladie. Alors, le centre de jour, c'est un, un lieu qui est dédié aux gens qui sont atteints d'un cancer non guérissable. Et qui sont suffisamment en bonne santé pour pouvoir venir bénéficier des soins à la maison et retourner par la suite à leur domicile. La façon dont ça fonctionne, c'est que euh, tous les jours, c'est le même. tous les jours de la semaine, on a un groupe différent, mais ces gens-là se retrouvent à chaque même journée dans la semaine. Alors, notre groupe du mardi, c'est toujours les mêmes personnes, notre groupe du mercredi, c'est toujours les mêmes personnes. Ce qui fait qu'il y a vraiment des liens qui se créent entre les gens qu'on va appeler les invités, parce que ce ne sont pas des patients qui viennent au centre de jour, ce sont nos invités à nous, desquels on, on prend soin. Alors, nos invités au centre de jour euh, ont leur journée dédiée. Ils peuvent venir accompagner d'un proche. Ça, c'est vraiment laissé à leur discrétion s'ils veulent être accompagnés ou pas. Euh, ce qu'ils viennent chercher au centre de jour, c'est ces liens-là de communauté qu'on va appeler une communauté bienveillante. Donc, ils peuvent échanger avec des gens qui ont un vécu similaire et euh, recevoir par la même occasion des soins un peu complémentaires de ce qu'on trouve dans les réseaux. Par exemple, nous à la maison, euh, les invités peuvent recevoir des soins en acupuncture, euh, en massothérapie. On a aussi une infirmière qui est formée en hypnothérapie pour accompagner certains symptômes comme par exemple les nausées anticipatoires, la douleur. L'objectif c'est vraiment d'amener les gens à être en mesure de se replonger eux-mêmes dans cet état-là qui leur fait du bien, sans le soutien de l'infirmière. Euh, ensuite, on a une accompagnatrice par l'art. Alors, les gens sont invités, les invités sont invités <laughs> à participer à certains projets, parfois très, très ludiques, d'autres fois qui vont vraiment amener une réflexion. Mais il faut savoir que la salle d'or, c'est surtout un endroit pour papoter. Alors, les gens s'assoient, dessinent, bricolent, peignent et discutent vraiment beaucoup. Beaucoup d'échanges se font à la salle d'or. On a aussi un intervenant en soins spirituels qui est présent au centre de jour, qui va animer des groupes de discussion. Donc, toutes les personnes qui, qui s'inscrivent au centre de jour, tous nos invités. Euh, à 11h, la journée où ils sont présents, il y a un, un, une discussion qui va être animée par un intervenant euh, euh, psychosocial, soit une musicothérapeute, un, un travailleur social, un intervenant spirituel. Et c'est des ateliers de discussion qui sont habituellement euh, euh, dont les sujets pardon, sont habituellement amenés par les invités. Alors ça peut être la place du pardon, ça peut être euh, l'aide médicale à mourir, ça peut être euh, ben moi, il me semble que je suis tôt dans le parcours pour qu'on parle de soins palliatifs. Alors, euh, toutes sortes de sujets peuvent être amenés par les invités. Ensuite, euh, on a aussi une clinique de gestion de symptômes qui fonctionne un peu de la même façon dans le sens que les gens ne se présentent pas à tous les jours, mais ce sont des gens qui sont atteints d'un cancer non guérissable et qui sont euh, chez eux, donc à domicile, qui peuvent se déplacer pour recevoir des soins d'un professionnel en soins palliatifs à la maison Fitagadebo. Alors, on a un médecin spécialisé en soins palliatifs deux à trois jours par semaine à la clinique de gestion de symptômes et on a une infirmière du lundi au vendredi sur les heures de bureau qui est présente pour répondre aux questions, euh, diriger un patient vers euh, un service si c'est nécessaire, mais souvent, souvent, ça va être pour dire, OK, là, il y a un symptôme qui prend plus de place. Euh, ils vont appeler Dany, Marilyn en bas, qu'est-ce que je peux faire? Ben, euh, et l'infirmier, l'infirmière va pouvoir les soutenir, leur donner de l'information, faire de l'enseignement, peut faire le lien avec le médecin si on a besoin d'ajuster euh, une médication. Alors, euh, ça, c'est sur rendez-vous, évidemment. Euh, c'est vraiment comme une clinique externe, mais on accueille beaucoup de, de, de patients euh, chaque année. Là, on parle d'environ euh, euh, 250, euh, si je ne me trompe pas, nouveaux patients l'année passée. Ensuite, donc ça, c'est pour la clinique de gestion de symptômes. La pause avec Victor, j'ai sauté ici, soutien au prochain aidant, par habitude, parce que je parle souvent du centre de jour et de la clinique de gestion de symptômes, euh, un derrière l'autre. Mais euh, le soutien au prochain aidant, c'est un peu un, un, un petit bébé de notre centre de jour, dans le sens que je vous ai parlé des rencontres de discussions de groupe qui avaient lieu à tous les jours et à un moment donné dans cette rencontre-là à laquelle les proches sont invités à participer aussi ben il y a des proches qui ont dit moi je suis je suis pas à l'aise de nommer ce que je trouve difficile à vivre alors que euh, dans la salle il y a des gens qui, qui sont gravement malades fait que les intervenants qui étaient là à ce moment-là ont dit OK ben ça prend un espace où les proches se sentent aussi en sécurité d'échanger sans avoir peur de blesser euh, leur personne aimée ou d'autres personnes qui sont euh, atteintes de la maladie. De là est née l'idée de la pause avec Victor. Fait Au tout début, la pause avec Victor, c'était vraiment dédié euh, à des adultes. C'est un moment, encore une fois, les gens s'engagent à venir, par exemple, tous les mardis soir, euh, pendant quelques heures. Ils vont échanger ensemble. Ils peuvent avoir accès à de la massothérapie, à, euh, euh, à l'accompagnement d'un travailleur social. Alors, Ça peut être très varié comme accompagnement. Et éventuellement, ce, ce programme-là s'est décliné pour différents âges parce qu'il euh, y a eu des demandes. Et on sait qu'au Québec, il y a plus de 230 000 jeunes de 4 à 24 ans qui sont des proches aidants euh, de personnes qui sont gravement malades. Alors, on a euh, mis sur pied un programme dédié aux enfants de 6 à 12 ans. C'est un programme qui se déroule sur huit semaines et c'est vraiment pour euh, donner des outils aux enfants qui sont proches aidants, expliquer ce que c'est la maladie, pourquoi est-ce que euh, le, 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 le proche qui est malade a moins d'énergie, par exemple, comment est-ce que je peux rester en contact avec lui, même si on ne fait pas les activités qu'on fait d'habitude. Alors, un, un, très beau, euh, un très beau programme. Et là, présentement, on travaille sur la pause avec Victor Hado, qui est les adolescents, c'est une clientèle un petit peu plus difficile à aller euh, euh, chercher. Mais euh, on, on a des super intervenants avec, euh, qui foisonnent d'idées. Euh, je suis certaine qu'ils vont nous, nous, nous pondre un projet encore une fois super inspirant. Le soutien à domicile que vous voyez en bas en jaune, c'est qu'on euh, aimerait éventuellement pouvoir soutenir par exemple ce que font les CLSC. Pour les patients qui sont en fin de vie imminente à un moment où euh, ils ont besoin d'une présence beaucoup plus soutenue euh, puis que ça peut être difficile à faire ça fin de soirée euh, en, dans la nuit là, quand on a besoin d'être mobilisé plus fréquemment par exemple ou d'avoir de la médication de façon plus euh, régulière et que les proches sont au bout de leurs ressources alors l'objectif derrière ce programme là c'est que les quand les, les patients en fin de vie se retrouvent dans cette situation, s'ils désirent demeurer à la maison, ils ne soient pas obligés d'être hospitalisés parce que leur réseau est à bout de souffle. Alors, nous, on voudrait pouvoir euh, combler ce besoin-là en disant OK, on va être présent, nous, pour ce, cette période-là plus intense pour que la personne puisse vivre ses derniers instants comme elle le souhaitait. Euh, actuellement, c'est sur la glace. C'est un super beau projet, mais par manque de euh, ressources humaines qu'on espère vraiment euh, qu'il va, qui va se régler vite. Euh, c'est un soin qu'on a offert durant la pandémie à des gens qui étaient suivis à la clinique de gestion de symptômes. Et vous, comme moi, on sait à quoi ça ressemblait, les hospitalisations pendant la pandémie. Euh, euh, il y a des gens qui, qui disaient: ça va pas bien, euh, l'état de santé de mon conjoint m'a conjointe se détériore mais hey, on ne veut pas se retrouver à l'urgence, il n'y a pas de place dans les maisons de soins palliatifs actuellement. Qu'est-ce qu'on fait? Et nous on voulait vraiment éviter que ces gens-là qui souhaitaient pas être hospitalisés doivent se rendre à l'hôpital pour la fin de vie. Alors on a une équipe très très dévouée qui a dit ok, nos, nos patients qui sont suivis la clinique de gestion de symptômes on va les accompagner jusqu'à la fin. Alors, il euh, y a des gens qui, sont, qui ont pu décéder là, dans les conditions qu'ils souhaitaient, euh, grâce à notre équipe, mais on n'a pas pu maintenir ça euh, dans le temps. Par contre, on souhaite vraiment le remettre en branle. On continue avec notre flèche qui se poursuit ici là, dans, dans, dans notre logo, simplement pour indiquer, bon, on est rendu à un moment où la maladie peut-être a progressé. Évidemment, ce qu'on connaît le mieux des maisons de soins palliatifs, c'est le volet hébergement. Donc, les patients qui arrivent en toute fin de vie de, de leur maladie, euh, qui vont être hébergés pendant... Quelques jours, quelques semaines, ça peut être quelques mois. Nous, on a un, un critère d'admission qui dit que le pronostic, donc le, le temps estimé de vie, doit être de moins de trois mois. On a 12 lits dans lesquels on peut accueillir, 12 chambres dans lesquelles on peut accueillir des patients en fin de vie. Euh, à l'étage, donc, ce qu'on va retrouver comme accompagnement, c'est euh, grosso modo ce qu'on trouve au centre de jour, moins l'acupuncture, mais on a évidemment des infirmières 24 heures sur 24. Le médecin est là à tous les jours, incluant la fin de semaine. Donc, il y a des visites médicales pour tous les patients à tous les jours, sauf exception. Euh, il y a vraiment une grande équipe qui va bourdonner autour de ces patients-là. Notre intervenant en soins spirituels, euh, on a une zoothérapeute, une musicothérapeute, une travailleuse sociale. Euh, et là, c'est certain que j'en oublie bénévoles qui euh, sont vraiment aussi centraux au niveau des soins, infirmières préposées. Suite euh, au décès, évidemment, restera des proches autour qui vont peut-être ressentir le besoin d'être accompagnés euh, dans. dans... Dans leur processus de deuil. Alors, on offre aussi ce soutien-là. Euh, ce qui est particulier avec euh, le soutien au deuil, c'est qu'il n'est pas réservé aux gens qui sont passés par la maison Victor Gadbois. Alors, n'importe qui qui ressent le besoin d'être accompagné dans son, dans son deuil peut appeler à la maison Victor gadebois euh, Ça peut être quelqu'un qui a perdu un proche dans un accident de voiture. Euh, il y a trois ans, mais le besoin se fait sentir maintenant. Bien, cette personne-là peut appeler et demander euh, à être euh, accompagnée. On a trois personnes présentement qui travaillent au soutien au deuil. Et de la même façon que pour le, le, le soutien aux proches aidants avec la pause avec Victor, le soutien au deuil est offert à tout âge. Donc, euh, on accompagne aussi des enfants, euh, des adolescents dans leur. Euh, dans leur processus de deuil. On peut le faire par visioconférence si les gens sont loin, par téléphone, et c'est possible aussi de venir en présentiel, soit en suivi individuel, puis parfois en suivi de groupe, dépendamment de ce que l'intervenant va sentir comme besoin pour la personne qui demande l'accompagnement. On a également un, un volet formation. Donc, je vous ai dit d'entrée de jeu, je suis coordonnatrice à la formation. Qu'est-ce que ça fait, ça, une coordonnatrice à la formation? Ben, ça offre de la formation dans la maison, mais aussi à l'extérieur de la maison. Donc, on se déplace parfois dans des organismes, dans d'autres maisons de soins palliatifs pour aller former des équipes. Euh, on reçoit des gens ici qui souhaitent avoir de la formation, et on a des formations autant qui vont toucher physiologiquement ou au niveau des médicaments, qu'est-ce qui se passe, euh, comment est-ce qu'on peut bien soulager, que des formations qui vont vraiment être d'avantage, euh, comment est-ce que je peux euh, euh, bien accompagner mon proche, comment euh, est-ce que je peux devenir un bénévole euh, à la maison, qu'est-ce que je vais développer comme compétences ou connaissances pour euh, pour bien accompagner. Puis là, en vous parlant, je me rends compte que j'ai fait une capture d'écran avec plein de mots soulignés. <laughs> je suis vraiment désolée. Je, ouais, la prochaine fois, il faudra que je, je porte attention. Alors, ça, ben c'est tout moi. Ça arrive que je fais ce genre de petite affaire-là. Euh, et dans, le, dans mon, mon poste, donc il y a aussi coordonnatrice à la recherche parce qu'on est souvent sollicité par différents euh, organismes, des universités, des chercheurs. On a actuellement un, un chercheur à la maison, euh, un candidat au doctorat, qui fait une recherche sur euh, la fin de vie. Il est avec nous depuis plusieurs euh, semaines. Euh, et ils s'intéressent beaucoup aux gens qui fréquentent notre centre de jour, entre autres, là, de, de tous leurs questionnement, euh, euh, qu'est-ce qui les inquiète. Alors, euh, voilà, ça fait pas mal le tour de ce que nous, on offre à la maison. Et vous voyez que c'est vraiment pas uniquement pour les gens qui sont en toute fin de vie. Et euh, notre offre est dans dans le réseau. On entend souvent Oh vous avez une offre tout à fait circulaire Ben oui. Alors on, on prend les gens à différents stades de leur maladie, mais aussi leurs proches qui sont vraiment euh, centraux dans notre euh, notre approche, notre façon de, de prendre soin. Faut que je vous dise parce que c'est quand même une information importante, euh, nous on n'exige aucun frais pour aucun des services que je viens de, de vous présenter, euh, ni pour le soutien au deuil, ni pour la pause avec du sans de jours. Alors ce sont des services, vous voyez, c'est écrit partout, là, excepté pour la formation où parfois il y a certains frais si la formatrice se déplace, par exemple. Euh, tout le reste, c'est gratuit on est un organisme non lucratif, ça fait maintenant 30 ça va faire bientôt 32 ans qu'on est ouvert, on a cette grande chance là d'être soutenu par la communauté depuis tout ce temps-là et pour nous c'est vraiment important de pouvoir redonner à la communauté à la mesure du soutien qui nous offre. Alors j'espère que pour encore longtemps on va être capable euh, d'offrir tous ces services-là de façon euh, gratuite à ceux qui en ont besoin. Et moi, personnellement, c'est une des choses qui m'a fait du bien quand j'ai commencé à travailler ici. C moi, ça me plaisait vraiment que je pouvais entrer dans une chambre où il y avait quelqu'un euh, de très bien antig, qui avait toujours euh, eu beaucoup de sous dans sa vie, qui avait jamais manqué de rien. Cette personne-là avait des super soins. Puis dans la chambre à côté, c'était quelqu'un qui avait été dans des difficultés financières majeures, qui n'avait pas, pas grand-chose dans son, son baluchon, mais recevait exactement et tout à fait les mêmes soins. Et ça, euh, quand je vous dis qu'il y a des choses qui m'ont réconcilié avec l'humain, ben ça, ça en a fait partie. Alors, euh, si jamais vous avez des questions sur la maison, ça me fera plaisir de répondre à la fin de, de la présentation, mais on va aller avec le vif du sujet de, euh, de, de ce que c'est, ça, les soins palliatifs. Euh, J'ai tiré cette définition-là du gouvernement du Québec. Alors, les soins palliatifs sont des soins actifs et globaux. Je vous ai nommé beaucoup de choses, hein. donc on fait autant attention à comment la personne va se sentir au niveau de ses émotions, à ses besoins spirituels comme ses besoins physiques. Donc des soins globaux qui vont être dispensés par une équipe, beaucoup de personnes, euh, plusieurs intervenants avec des professions différentes, ce qu'on va appeler une équipe interdisciplinaire, aux personnes atteintes d'une maladie avec un pronostic réservé. Pronostic réservé, ça, ça veut dire, ben... Euh, qu'on ne on sait pas exactement la, la durée de vie, mais on sait qu'elle va être écourtée par rapport à ce qu'on aurait pu euh, envisager s'il n'y avait pas eu euh, cette fichue maladie-là qui serait venue s'en mêler. L'objectif, c'est vraiment de soulager les souffrances sans hâter ni retarder la mort et aider ces personnes à conserver la meilleure qualité de vie possible euh, en leur offrant aussi du soutien tant aux personnes qui sont malades qu'à euh, leurs proches. Euh, donc, à partir du moment où on a une maladie qui ne se guérit pas, on peut penser à introduire des soins palliatifs parce que notre objectif ne sera pas la guérison, mais le meilleur confort possible pour cette personne-là. En tentant de contrôler les symptômes qui peuvent être dérangeants. C'est vraiment ça, la visée palliative. Alors, c'est pas. Souvent, les gens vont associer comme étant un synonyme que des soins palliatifs, de, c'est des soins, soins qu'on va donner en toute fin de vie. Mais euh, certains, euh, certaines personnes vont bénéficier de soins palliatifs durant plusieurs années de leur vie. Je pense notamment à des enfants qui ont des maladies chroniques et qui peuvent être, qui peuvent être longtemps en accompagnement palliatif parce que l'objectif, ce n'est pas de guérir la maladie, mais vraiment de leur assurer la meilleure qualité de vie possible. Et les soins de fin de vie, ce sont les soins palliatifs. Et l'aide médicale à mourir. Là, il faut que je précise ça parce que ça fait bien des termes que, qui se ressemblent. Euh, on entend souvent que, par exemple, l'aide médicale à mourir, c'est un soin palliatif, mais c'est pas tout à fait vrai parce que si on regarde, en fait, ce c'est pas vrai du tout. Si on regarde la définition des soins palliatifs, mais ce sont des soins qui ne vont pas hâter ni retarder la mort. et Effectivement que L'aide médicale à mourir va précipiter un décès qui serait survenu un petit peu plus tard dans le parcours si on avait laissé euh, les choses progresser. Alors, une façon euh, de l'imager cette, euh, cette définition-là, c'est que les soins de fin de vie, ben, ça englobe l'aide médicale à mourir, les soins palliatifs. Et ici, on a un autre aspect dont je ne vais pas parler aujourd'hui, qui est l'arrêt ou le refus de traitement. Les directives médicales anticipées et la sédation palliative. Si jamais vous avez envie d'en apprendre plus sur ces différents aspects-là des soins de fin de vie, euh, on a une formation là, qui s'appelle La loi concernant les soins de fin de vie où on explique chacun de, de ces termes-là. Mais comme c'est une formation de 7 heures, <laughs> je ne vais pas me lancer aujourd'hui. On va, on va rester un, un peu plus euh, euh, en surface. Donc, les soins palliatifs, traditionnellement, euh, c'est pas pour rien que dans l'imaginaire des gens, c'est beaucoup associé avec la fin de la vie. Parce qu'à l'origine, les soins palliatifs s'étaient euh, développés avec. Euh, il y a eu une augmentation des cas de cancer dans les années 60 en Angleterre et. Euh, les médecins se sont trouvés à retourner des patients chez eux en disant :« Ben, je, je peux plus, j'ai plus rien à t'offrir. Mais ça a comme pas d'allure que je te retourne à la maison sans rien pour te soulager ou, ou sans rien pour diminuer tes souffrances, ta douleur ou les symptômes qui sont dérangeants. Euh, » Fait que de là sont nés les soins palliatifs. Mais dans mon histoire, le moment où les soins palliatifs arrivaient, c'est au moment où il n'y avait plus de traitement curatif, donc des traitements pour guérir, ce n'était plus possible. Alors, le patient avait son diagnostic, on, on offrait des traitements pour guérir, oups, on se rendait compte que ça ne fonctionnait pas et notre patient tombait en soins palliatifs. Et au moment du décès, ben, après ça, il n'y avait, avait plus rien pour les proches. Maintenant, notre vision des soins palliatifs est très différente de ça. Donc, comme je vous disais, à partir du moment où on a une maladie qui ne va pas guérir, on peut déjà commencer à penser à introduire des soins palliatifs. Euh, il y a des médecins ou des infirmières qui sont euh, plus à l'affût d'introduire ça tôt dans le parcours. Puis d'autres fois, ben, il faut poser des questions, solliciter, demander. Euh, et au fur et à mesure que la maladie progresse, alors le traitement pour tenter de, de la maintenir ou qu'elle évolue pas trop, ces traitements-là vont diminuer pour laisser la place à une meilleure gestion des symptômes, qui sont euh, qui est une approche donc palliative. Et suite au deuil, ben ça finit pas parce que euh, on va aussi offrir notre soutien aux proches. Ils font maintenant partie de, de, de la philosophie des soins palliatifs. Euh, on, on va continuer à être présents et à les soutenir s'ils en ressentent euh, le besoin. Alors, comme je vous disais, les soins palliatifs peuvent s'échelonner sur une longue période de temps et ce n'est pas uniquement euh, quand on est à la toute fin de vie de notre parcours. La philosophie des soins palliatifs, donc, je vais revenir sur certains aspects, soutenir la vie, accepter la mort comme un processus normal, atténuer la douleur, les autres symptômes, j'en ai parlé, intégrer le soutien à plusieurs niveaux, offrir un système de soutien pour permettre aux patients de mener une vie aussi active et normale que possible et apporter du réconfort, du soutien à la famille ou aux proches. Euh, c'est écrit famille, mais il faut que vous compreniez, la famille, c'est qui gravite proche et, et aime et soutient notre patient euh, pendant la maladie et le deuil. Il y a des choses là-dedans qui sont plus faciles euh, à dire qu'à qu faire. Par exemple, soutenir la vie et accepter la mort comme un processus normal, c'est quelque chose qui se travaille. C'est facile de nommer que le décès fait partie. Euh, des étapes normales de la vie, qui c'est à peu près la seule chose dont on est certain quand on est qu'un jour il y aura un décès. Mais quand on se trouve dans la situation où il faut vivre cette phrase-là, euh, c'est une autre paire de manches. En soins palliatifs, euh, on travaille à ça. Euh, et on garde en tête que euh, ça va arriver, mais on souhaite que ça se passe le mieux possible et le mieux possible selon ce que la personne souhaite et pas selon notre regard à nous d'intervenants qui gravitons autour. Soutenir la vie, c'est une phrase que j'aime beaucoup parce que euh, je travaille dans une maison de soins palliatifs et euh, je dis souvent dans les formations. Les gens ne viennent pas à la maison pour mourir. Les gens viennent à la maison pour vivre le mieux possible leurs derniers euh, mois, semaines ou jours de vie, euh, jusqu'à ce que la mort arrive, mais ils ne viennent pas pour mourir. Les, la maison, souvent, euh, quand je la fais visiter, les gens vont voir des commentaires, ils vont dire Oh mon Dieu, ce n'est pas du tout comme je pensais que c'était. Et là, je leur demande toujours, mais comment est-ce que vous pensez vous pensiez que c'était ben, Je ne sais pas trop, mais je ne m'attendais pas à ça. Donc là, on réfléchit ensemble à hein, hum, un endroit où on chuchote, où les lumières sont amusées, où il y a, euh, les gens allongent les murs peut-être. Ce n'est pas du tout comme ça. Il y a des fleurs, il y a de la musique, les gens rient. Euh, évidemment que ce n'est pas drôle et facile tout le temps mais on n'est pas non plus dans la tristesse et la souffrance tout le temps. Et on fait ça à la maison. On tente de soutenir la vie, euh, prendre plaisir à tous les petits plaisirs qui passent, à, à ce qu'on peut faire pour que la personne soit le mieux possible. Les soins palliatifs, c'est aussi atténuer la douleur et les autres symptômes. C'est évidemment une pierre angulaire, la gestion des symptômes en, en soins palliatifs. On peut pas atteindre la meilleure qualité de vie possible si on s'attarde pas à ces nausées-là qui prennent toute la place, cette fatigue-là qui est dérangeante, euh, les douleurs qui vont empêcher mon patient de dormir ou de faire certaines activités qui lui plaisent ou qui vont le rendre irritable, impatient. Ça, c'est vraiment central. Et encore une fois, ben, si on est dans une approche où... Euh, où on met ça de l'avant, donc gérer les symptômes, la douleur pour que le patient soit confortable, ben ça ressemble à ça, l'approche en soins palliatifs. Fait que ça peut être quelque chose qui côtoie des traitements euh, durant un, un bon bout de temps, durant la maladie et pas euh, uniquement en toute fin de vie. voyez bien que j'essaie de vous vendre l'idée que les soins palliatifs, ce n'est pas juste euh, en toute fin de vie. Intégrer le soutien psychologique, social et spirituel. Quand on parlait de soins globaux, ben on, on ne soigne pas uniquement un corps. Et Il faut avoir déjà vécu d'être stressé pour quelque chose ou inquiet pour quelque chose, puis se rendre compte que hey, j'ai du psoriasis qui sort quelque part, ou, euh, ou bon, j'arrive pas à dormir, ou ma digestion n'est pas bonne. Ou... On a des symptômes physiques qui sortent quand on est inquiet, stressé, euh, qu'on vit des émotions fortes. Fait, que nous on va prendre soin de, de tout ça, une personne dans sa globalité. Donc si elle le souhaite, ça c'est autre chose d'important par rapport à notre approche, c'est que euh, on va offrir à la personne et elle est libre d'accepter euh, ou pas ce qu'on va lui offrir offrir un système de soutien pour permettre aux patients de mener une vie aussi active et normale que possible ben euh, ça ça veut dire que tant que la personne a envie par exemple de se lever ben nous on va mettre de l'avant qu'elle puisse le faire on a un levier nos bénévoles sont formés pour les déplacements sécuritaires on a aussi des préposés sur place alors ce que les gens vont avoir envie de faire tant qu'un Tant qu'on est en mesure de le faire faire de façon sécuritaire, ben on va les appuyer euh, là-dedans. Ça, ça va revenir avec un mythe qu'on entend souvent en soins palliatifs, que ben, en soins palliatifs, les gens sont alités, euh, sont presque toujours endormis. Fait qu'il n'y a plus grand-chose de possible. Ben pas tout à fait. Et apporter réconfort, soutien à la famille, ben je vous en ai parlé, les proches sont très euh, sont très hauts au cœur de, de nos interventions, autant que le patient. Et au moment euh, du deuil, bien, on veut aussi euh, les soutenir du mieux qu'on peut dans la mesure où eux ont envie aussi d'être accompagnés. J'ai déjà nommé un mythe. Alors euh, rapidement, parce que ce n'est pas le point le plus important, mais pourquoi je fais une distinction entre mythe et croyance? Euh, une croyance, c'est quelque chose que personne ne peut dire euh, c'est vrai ou c'est pas vrai. Euh, alors qu'un mythe ben moi je, je peux nommer que ça ça se passe toujours de même mais dans les faits je le sais que non euh, pour toutes sortes de raisons je vais vous donner euh, euh, des exemples euh, euh, une croyance par rapport à, à ce qui se passe après la mort ben on le sait pas ça, personne n'est revenu pour dire oui, euh, c'est comme ça que ça se passe quand on meurt, puis moi, ben, je suis revenu à la vie et je vous, je vous transmets cette information-là, donc on ne peut pas dire si c'est vrai ou, ou non. Alors qu'il y a une personne qui va dire ben il y a toujours une lumière au bout du tunnel quand on décède, bien, il y a des gens qui ont vécu ce qu'on appelle des ennemis, donc des expériences de mort imminente, qui ont dit ben non, euh, euh, moi, ce n'est pas comme ça que j'ai vécu cette expérience-là. Alors, c'est ce qu'on va dire comme étant un mythe. Parfois, les gens vont l'annoncer comme un fait. C'est comme ça que ça se passe. Mais en réalité, il y a des gens pour qui ça ne se passe pas de cette façon-là. Comme je vous disais, ce n'est pas tant important de distinguer les deux euh, là où on en est. Ce qui est important, par contre, c'est de réfléchir à ce que nous, nous habitons. Comme mythe ou comme croyance par rapport euh, aux soins palliatifs, par rapport à la fin de vie, par rapport à la médication qu'on peut recevoir en fin de vie. On en a tous des mythes et des croyances. Euh, moi, je lève la main. C'est moi, le petit bonhomme dans le coin, là. Je ne sais pas si vous trouvez que c'est ressemblant, mais euh, euh, moi, je ne fais pas exception à la règle. Et euh, j'apprends euh, chaque fois que je suis auprès des patients, c'est une occasion d'apprendre. Euh, moi, j'ai longtemps dit, et je le croyais fermement, que. Euh, les gens mouraient comme ils vivaient, ils mouraient comme ils avaient vécu, euh, jusqu'au jour où euh, j'ai eu une patiente qui avait, euh, qui avait coupé les ponts avec ses enfants depuis vraiment de très nombreuses années. Elle avait des petits-enfants assez âgés qu'elle n'avait jamais vus. Et suite à son arrivée à la maison, euh, elle nous a demandé de l'aider à reprendre contact avec ses enfants. Fait que cette, euh, cette patiente-là m'a vraiment surprise par sa demande. Puis je me suis dit Ah bien, Karen, toi, tu pensais que <laughs> tu pensais que tout le monde mourrait comme ils avaient vécu, mais non, il y a des gens qui vont faire les choses autrement en fin de vie. Euh, alors, ça m'a fait réaliser que moi-même, je n'étais pas à l'abri d'avoir, euh, d'être habitée par certains mythes. Alors, j'ai envie de vous lancer la question est-ce que vous avez déjà entendu certains mythes concernant la fin de vie? Euh, Est-ce que peut-être en avez-vous euh, euh, conscience ou, ou pas Alors ce qu'on entend souvent sur les soins palliatifs. Si tu reçois des soins palliatifs, ben c'est que tu vas mourir bientôt. Alors j'espère dans ma présentation que j'ai été suffisamment claire pour, que, pour vous vendre l'idée que, que non qu'on peut recevoir des soins palliatifs pendant, euh, pendant longtemps. Les soins palliatifs, c'est quand il n'y a plus rien à faire. Et ça aussi, on entend ça parfois, euh, alors qu'il euh, reste encore énormément à faire, mais on va faire autrement. Alors notre objectif, ce n'est plus de guérir, ce n'est plus de faire en sorte que la maladie ne progresse pas. Notre objectif, c'est que la personne soit le mieux possible, euh, qu'il lui reste des années ou à vivre ou, ou, ou des mois à vivre ou des heures. Il euh, n'y a pas de cathéter, il n'y a pas de sonde. Euh, ça aussi, j'ai déjà entendu ça, quand on se retrouve en unité de soins palliatifs, il euh, enlève tout. Euh, ben non, notre objectif, c'est le confort du patient. Alors, si pour son confort, ce patient-là a besoin d'avoir, par exemple, un drainage euh, à ses poumons, bien, si on est en mesure de le faire, on va continuer à le faire pour que la personne soit bien. On donne des médicaments pour le confort, on mobilise le patient, c'est tout. Le patient dort tout le temps. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, nous, les patients, s'ils si ont envie de se lever, qu'ils sont en mesure de, de tolérer une mobilisation, par exemple avec un levier, on va le faire. Euh, nous, on a une installation pour nous permettre de sortir les patients à l'extérieur. Donc, on a une, une double porte où il n'y a pas d'escalier. Ben, pas une double, mais une, une et demie, disons. Euh, où il n'y a pas d'escalier, c'est tout en pavé uni. Alors, on peut sortir les patients en fauteuil roulant, on peut les sortir dans leur lit, euh, on les amène au bain euh, jusqu'à ce qu'ils euh, ne soient plus en mesure euh, d'y aller. Alors, tant que la personne a envie et qu'on est en mesure de répondre à ce, ce besoin ou cette envie-là, on, on va faire ce qu'on peut pour qu'elle soit bien, puis qu'elle puisse continuer à faire ce qu'elle a envie de faire. Euh, on a des patients qui arrivent à la maison euh, en voiture et qui circulent dans la maison pour se rendre à la salle à manger. Alors, c'est tout à fait faux de penser que les patients sont tous euh, endormis, inconscients en soins palliatifs. Il y a des mythes aussi autour euh, de la mort. Euh, euh, la mort, c'est beau, c'est grand. Ça, c'est Félix Leclerc. Je pense qu'il a chanté ça. Ça ne se présente pas comme ça pour tout le monde. Puis c'est correct que ce ne soit pas toujours beau et positif. Il y a autant de façons euh, de vivre sa fin de vie qu'il y a d'individus. Euh, là, vous voyez que toutes mes phrases qui commencent par il faut sont soulignées. Ça, il faut faire bien attention. Là, je vous dis, il faut, faut. faire attention aux soins palliatifs. Quand on commence notre phrase par il faudrait que le patient ou la personne fasse ça c'est que souvent, on, on va prendre un pas de recul, puis on va se rendre compte que ouais, c'est peut-être pas euh, nécessaire, finalement, ou, ou, ou absolu euh, que ça se passe de cette façon-là. Par exemple, il faut accepter et partir sereinement. Bien. Il y a des gens. C'est un mythe parce qu'il y a des gens qui vont vivre dans la colère, euh, le déni, le sentiment d'injustice jusqu'à la toute fin. Puis ce sera leur façon à, à ces gens-là de d'arriver à la fin de leur vie. Il faut donner la permission de partir, quelqu'un le retient. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont des histoires de, ben moi, j'ai quelqu'un proche de moi que le décès est survenu après qu'une personne a dit, ben euh, c'est correct, attends pas, cette personne-là, elle ne sera pas de retour. Euh, c'est vrai, il continue à avoir des choses bien mystérieuses par rapport euh, à la mort. Puis, euh, je ne pense pas que personne prétende. Euh, tout savoir et tout comprendre de comment ça se passe. Chose certaine, c'est qu'il y a des gens qui décèdent sans qu'on leur en donne la permission. Parce que s'il fallait attendre une permission, je pense que beaucoup de gens ne seraient pas décédés. Alors, c'est dans ce sens-là que c'est un mythe. Euh, on a, euh, je vais revenir sur les impacts des mythes. 1, il faut que je vous raconte cette histoire-là. Euh, il faut qu'ils parlent de sa mort et disent les vraies choses. Euh, ça aussi, c'est un mythe. Il y a des gens qui vont ressentir le besoin de partager, puis d'autres non. Et c'est bien correct de même. On a chacun nos limites, on a chacun notre présence à aborder certains sujets ou pas. Et il y a des gens qui jamais, durant leur passage à la maison ici, vont parler du décès qui s'en vient. Puis des fois, on a des toutes petites ouvertures. Il faut profiter de cette ouverture-là parce qu'elle ne se représente pas. Les personnes en fin de vie ne portent plus de masque et disent la vérité. mais Pour toutes sortes de raisons, des fois, ce n'est pas le cas. Euh, parfois, pour protéger leurs proches, ils ne vont pas nommer à quel point ils sont souffrants ou à quel point ils en ont mort, de qu'est-ce qu'ils vivent. Euh, parfois, il y a des gens qui vont avoir développé une façon de communiquer durant toute leur vie et ils vont maintenir cette façon-là de communiquer. Euh, dans leurs derniers instants de, de vie aussi. Alors, on ne va pas forcément dire euh, la vérité tout le temps. Et la personne doit traverser les étapes du mourir. Bien sûr, vous avez sûrement entendu parler de ces étapes-là. Le, le choc, le déni, l'acceptation, euh, marchandage. Ben, euh, comme je disais d'entrée de jeu, avec cette vignette-là, il y a des gens qui vont demeurer dans la colère et le déni jusqu'à la fin de, de, de leur vie, ça sera leur façon. À, alors, on n'a on pas non plus comme rôle d'accompagnant de faire cheminer. Alors, on veut accompagner la personne à son rythme, on va aller, euh, on va la suivre sur les chemins où parfois, c'est une phrase que j'aime beaucoup, je ne me rappelle pas qui a dit ça, mais on va l'accompagner sur des chemins que parfois elle n'a pas envie euh, de découvrir. Euh, mais c'est certainement pas nous qui allons l'amener à progresser. Euh, c'est pas une position dans laquelle on, on va euh, se placer quand on accompagne. La lumière au bout du tunnel, je vous en ai parlé. Il faut régler tous ces conflits pour bien mourir. Ben ça non plus. Il y a des gens qui, qui vont demeurer en conflit avec leurs proches. Euh, euh, et je, je me souviens d'une dame, sa sœur venait à répétition pour venir euh, la rencontrer. La dame refusait de, de voir euh, sa sœur. Ben, c'était sa décision à elle. Alors, encore une fois, une phrase qui commence par il faut. Ben non, euh, des fois, on, des fois, c'est pas comme ça que ça va se passer. Il Faut lâcher prise. Euh, euh, parler de la mort, c'est la provoquer. Ça aussi, parfois, c'est une façon dont on va imposer le silence. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Euh, ben ici on a beaucoup de gens qui parlent souvent de, de la mort. Euh, mais on peut se poser la question est-ce que c'est est ce que la crainte c'est de la provoquer ou c'est parce qu'on ne se sent pas capable d'évoquer cette perte là qui s'en vient puis qui, qui va amener de la souffrance c'est certain. Il ne faut pas que les enfants voient la personne mourante, ça peut être traumatisant. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Euh, comment est-ce qu'on prépare des enfants à venir rendre visite à grand-papa, grand-maman, papa, maman? Il euh, n'y a pas de, de réponse tranchée. C'est pour ça que je l'ai mis dans les mythes, dans le sens qu'il y a parfois des situations où, euh, où c'est mieux, pour toutes sortes de raisons, que l'enfant ne soit pas présent même si on sait que dans la plupart des cas, c'est une étape quand même importante qui peut aider euh, au deuil par la suite. Euh, et ça, c'est vraiment une question qu'on qu encourage les gens à, à aborder et, euh, avec les différents intervenants pour voir qu ce qu'on peut mettre en place pour faciliter ce, ce passage-là. Le deuil, ça dure un an. Ça aussi, c'est un mythe. Souvent, on entend, il faut faire le tour du calendrier. Ben c'est pas vrai pour tout le monde. Il y en a qui vont avoir besoin de moins de temps, et euh, il y en a qui vont avoir besoin de plus de temps. Alors euh, c'est fort possible pour quelqu'un qui nous était très cher que euh, on soit incapable de, de parler de cette personne-là, même si ça fait euh, un an que le décès est survenu. Et on n'est pas dans un décès qui est anormal. Il y a des signes pour reconnaître un, un, pas un. décès, pardon, un deuil qui est anormal. Il y a des signes pour reconnaître des deuils là, qui, qui deviendraient plus compliqués. Je ne les aborderai pas aujourd'hui, mais ça aussi, c'est une formation euh, euh, qu'on donne à la maison. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que ce n'est pas vrai qu'un deuil, ça dure un an pour tout le monde. Il y en a pour qui ça va être moins long, il y en a pour qui ça va être plus long. Je vois que le temps file, euh, Karine, je vais, je vais, je vais, continuer rondement. Euh, mythe entourant la médication, on entend souvent ça, la morphine, cest dessus. Si jamais vous avez en, en, envie, pardon, d'avoir un peu plus d'informations, vous pouvez aller consulter le site de Palisciens. C'est un site qui est affilié à la maison Victor Gadbois. En fait, c'est un site qu'on utilise pour déposer beaucoup, beaucoup de, de formations. Euh, on explique bien dans cette capsule-là comment s'agit la morphine puis pourquoi c'est faux de croire que c'est un médicament qui va tuer. Mais évidemment, si vous décomposez le mot morphine, qu'est-ce que vous obtenez? Ben, mort et euh, fine, donc le médicament qui amène la mort. Dans les faits, euh, la morphine, c'est une molécule qui est très, très, très utilisée pour euh, toutes sortes de, de soulagements. Des enfants qui subissent des opérations peuvent recevoir de la morphine. Euh, en soins palliatifs, c'est un médicament qu'on utilise vraiment beaucoup et on ne l'utilise pas pour amener un décès, mais évidemment que la maladie progresse et au fur et à mesure que la maladie progresse, peut-être qu'on aura besoin d'un peu plus de médicaments pour soulager la douleur, mais c'est la maladie qui progresse qui va entraîner le décès et pas... Euh, une accumulation ou une dose trop grande euh, de morphine parce qu'on va ajuster cette médication-là selon la douleur du patient. On peut devenir dépendant, euh, ça peut faire perdre la tête, c'est plein de choses qu'on entend sur la morphine. Si on en prend trop tôt dans la maladie, bien, il n'y aura plus rien à faire pour soulager plus tard. Il existe, pardon, il existe plein de médicaments qu'on peut donner pour soulager euh, la douleur. C'est pas parce qu'on commence à prendre de la morphine que euh, dans trois ans il y aura plus rien qui va nous soulager, pas du tout. Euh, comme je disais, il, il existe beaucoup de, de... De molécules et selon le type de douleur qu'on ressent aussi, il existe des, des médicaments qui vont être plus précis. Alors, si par exemple, j'ai des douleurs qui me donnent comme des coups de couteau dans l'épaule, bien, ça se peut que le, le, le médecin euh, se tourne pas vers la morphine, mais plutôt vers un autre médicament, par exemple, du Lyrica ou du Neurontin, qui sont des médicaments qui vont vraiment avoir un effet pour ce type de douleur-là. Euh, et ça, bien, on peut combiner ça avec de la morphine ou d'autres médicaments qu'on va appeler des opioïdes pour amener un meilleur soulagement, le meilleur soulagement possible. Donc, je vous ai dit que notre rôle, ce n'était pas d'aider la personne à bien mourir. Parfois, c'est la position dans laquelle les accompagnants se mettent, euh, autant les intervenants que les gens qui vont graviter autour de la personne en fin de vie. Faut plutôt penser que cette personne-là avance à son rythme, puis nous, ben, on, on, on la soutient, euh, on l'aime, euh, on répond au moment où on en a besoin, puis on est plus en retrait au moment où c'est ça que, que c'est de, de ça dont elle a besoin. Alors, on est en constante euh, adaptation, j'ai envie de dire, selon ce qui se présente chez la personne euh, qui est en fin de vie. Mais bien mourir, ça n'existe pas. Euh... J'ai eu une obstinade récemment avec notre intervenant en, en soins spirituels là-dessus. Je disais hey, il y a autant de façons de décéder qu'il y, y a de personnes, je vous l'ai dit. Et peut-être que pour une personne, bien mourir, ça va être, ben moi, j'espère je, avoir le moins de douleur possible. Euh, D'autres personnes, ça va être moi, je veux avoir proche de moi, toutes les personnes qui sont euh, significatives pour moi. Euh, alors, ça, c'est très subjectif de bien mourir. Il faut faire cheminer la personne, je vous en ai parlé, et il faut se montrer fort. Ça aussi, on entend ça des proches parfois. Là, il faut que je sois fort parce que euh, moi, je suis le soutien de la famille. Euh, ben, montrer qu'on est touché, qu'on est inquiet, euh, euh, qu'on est sensible à ce qui se passe, qu'on est ému par ce qui se passe. Euh, je, je ne pense pas que ce soit de, de la faiblesse. Et c'est une de nos façons de soutenir les proches, ici justement de leur donner cet espace-là pour s'exprimer avec les différents intervenants qui, qui peuvent aller à la chambre, infirmière, médecin, musicothérapeute, zoothérapeute, travailleuse social, intervenants en soins spirituels. Donc, je vous disais que c'est important de prendre conscience de nos propres croyances et de nos propres mythes. J'aime bien mon escargot parce que c'est un processus qui peut être long. Je vous ai parlé de ma propre expérience quand je me suis rendu compte qu'il y avait un mythe qui m'habitait. Ça faisait déjà un bout de temps que je travaillais à la maison quand j'ai pris conscience de ça. La raison pour laquelle c'est important de se questionner sur moi, je, je vois ça, comment est-ce qui s'en vient, c'est quoi mon rôle euh, euh, d'accompagnant ou comment est-ce que je, euh, dans mon processus de maladie, comment je vois ce qui s'en vient. Euh, les croyances peuvent nous aider à traverser, évidemment, des moments difficiles. Par exemple, euh, quand je dis à mon enfant, euh, sois confiant, il y a quelqu'un qui veille sur toi, puis moi, je pense à ma grand-maman qui est décédée, Ben, c'est une croyance qui me fait du bien, puis j'espère lui faire du bien à lui aussi. Mais parfois, les croyances peuvent aussi contribuer à nous éloigner. Par exemple, quand on impose euh, ne, ne t'inquiète pas. Il euh, y a quelqu'un qui veille sur toi. Bien, ça se peut que ce soit rassurant, mais ça se peut aussi que la personne ait envie de nous dire ben, je comprends qu'il y a que quelqu'un qui veille sur moi, mais j'ai peur quand même. Puis là, bien, j'ose pas t'en parler parce que toi, tu me dis euh, Inquiète-toi pas. Euh, quelqu'un qui n'est pas dans une famille de, de pratiquants, puis qui va ressentir le besoin de voir un prêtre. Alors, parfois, ça peut être. Euh, nous, on arrive en disant, ben, est-ce que vous aimeriez ça rencontrer l'intervenant en soins spirituels ou aimeriez-vous ça rencontrer un prêtre? Puis, spontanément, la famille va dire, ben, non, nous, on n'est pas très croyants. Puis là, on se tourne vers le patient qui va faire, ben, oui, tu sais, j'aimerais peut-être ça. Alors, c'est le genre des situations où, parfois, nos propres croyances ou euh, limites qui nous habitent peuvent nous amener à dire non pour la personne ou à dire oui pour la personne, alors que c'est peut-être pas le choix qu'elle ferait si on, on la laissait euh, euh, d'elle-même se prononcer. Alors, toi, tu y crois peut-être, mais peut-être que moi, j'y crois pas. Certains mythes peuvent aussi avoir un impact important sur le confort, évidemment, de la personne en fin de vie. Euh, J'ai déjà entendu, ben, si je prends trop d'analgésiques, je vais mourir plus rapidement, là, encore une fois avec la morphine. Fait que ça, c'est un mythe à défaire. Il faut prendre le temps de bien expliquer euh, comment les médicaments agissent et comment on ajuste la médication qu'on donne selon euh, le, la douleur que ressent la personne. Euh, S'il ne mange pas, il n'y aura plus d'énergie. Il faut lui donner à manger. Donc, il y a certains patients pour lesquels ça va faire une différence, mais rendu à un certain stade de la maladie, le fait de forcer l'alimentation ou de pousser pour que la personne mange, même si elle, elle n'en ressent pas le besoin, ça peut amener des nausées, euh, des ballonnements, une sensation de ventre plein qui peut amener des inconforts. Et là, comme, comme on parle d'un patient qui est euh, global, donc avec ses émotions aussi, ses croyances, il euh, fallait que je parle d'un mythe par rapport à, à un aspect un, un peu plus relationnel. Ben, des fois, on va entendre, là, euh, on va limiter les visites parce que cette personne-là, à ce moment-ci, a besoin d'être avec sa famille. Mais ben, parfois, la famille n'a euh, pas été aussi présente dans les derniers mois ou dans les dernières années que certains amis. Euh, euh, récemment, on a eu une formation pour l'inclusion des... Euh, LGBTQ+ et la, la, le formateur nous disait euh, il y a encore des endroits où euh, les questionnaires sont faits pour la famille ils sont si faits pour partie de la famille on n'a pas accès à la personne qui est malade ben ça devrait pas ça alors les proches euh, quels qu'ils soient si la personne a envie de les avoir proches d'elle on devrait leur faire cette place-là. Alors, c'est faux de penser que c'est la famille qui doit avoir la priorité. Je pense que la personne doit pouvoir décider de qui elle a envie d'avoir autour d'elle. Mais parfois, en voulant bien faire, on peut imposer notre propre vision de ce que devrait être la fin de vie. Et c'est à ça qu'il faut faire attention. Et c'est pour ça que je vous invite à réfléchir à, à vous-même. Euh, puis peut-être avoir des discussions avec euh, vos proches. Ben, vous, vous voyez ça, euh, comment l'accompagnement ou euh, le soulagement ou euh, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour euh, les prochains mois, les prochaines années euh, qui s'en viennent. Tentons donc de ne pas essayer de forcer la conversation, permettre à la personne de parler, euh, lui permettre de nous dire ce que, comment elle voit ça. Écouter sans juger les inquiétudes. Des fois, on a la réponse toute faite facile. Hein? « Ah, inquiète-toi pas, t'es en de bonne main. Mmh. » Oui, mais même si on est au meilleur endroit au monde, il y a peut-être des inquiétudes, puis euh, ça vaut le coup de, de prendre le temps de les écouter. Euh, Portez attention aux sentiments, les réactions de la personne, ne pas imposer nos propres croyances ou nos propres mythes. Respecter la personne dans sa dignité et dans son intégrité. Et souvent, c'est très très bien intentionné. C'est parce qu'on veut protéger, on veut prendre soin d'une personne qui, qui nous semble plus fragile. Puis, ça se peut aussi que la personne dise oui, c'est correct, je suis d'accord euh, euh, que ce soit toi qui prennes les rênes, mais il faut prendre le temps de valider ça avec euh, avec la personne avant de de se lancer dans cette gestion là à sa place. Alors un petit récapitulatif, les soins palliatifs ne sont pas faire qu'aux personnes en fin de vie, ils ont pour objectif la gestion des symptômes pour euh, que les personnes soient le plus confortables possible. Il y a des croyances et des mythes sur la fin de vie qui nous habitent. Il faut prendre le temps d'y réfléchir et euh, ça peut aussi nous aider à comprendre de quelle façon ces pensées-là vont influencer nos actions ou nos paroles par rapport à nos proches notamment. Alors, euh, n'hésitez pas à parler de soins palliatifs avec les professionnels qui vous entourent. Vous pouvez aussi communiquer avec les maisons de soins palliatifs de votre région. Il y a 37 maisons de soins palliatifs, certaines de fin de vie, euh, au Québec. Alors, ils pourront, elles pourront euh, vous informer sur ce qu'elles offrent euh, comme soins. Et là, je vais déborder un petit peu. Je vais mon partage pour euh, reprendre l'écran avec Karine. Voilà, <laughs> c'est parfait. Et merci tellement, Karine, parce que ce que j'aime dans la présentation, c'est que ça se voulait quand même positif malgré le sujet sensible. Puis, ce que j'aime également, c'est que ça, ça peut toucher euh, tout le monde de notre communauté du miel En ce sens que peu importe, ils sont où dans leur parcours, c'est-à-dire là, on voit que les soins palliatifs, ils, ils peuvent être intégrés vraiment plus tôt dans le traitement, donc aussitôt qu'on a un diagnostic d'une maladie incurable comme le myélone. Lorsqu'on ouais. vit euh, des, des traitements qui sont plus difficiles, euh, exemple une, une greffe de cellules souches ou des, des symptômes qui apparaissent suite à des traitements ou, ou à la maladie elle-même, exemple la douleur osseuse que, que je peux penser entre autres. Donc, c'est d'avoir la discussion avec son équipe de soins, puis de dire, est-ce que je pourrais avoir accès à mm -hmm. des soins euh, de, de cette sorte-là? Puis l'autre volet que j'aime bien, c'est que euh, qu'on le voit d'une façon, euh, oui, on a parlé de fin de vie également, en plus des soins palliatifs, mais euh, moi, je le vois comme une préparation, une planification d'avance. Je pense que d'être bien informé, ça permet tu sais, de réduire le stress, les angoisses sur l'inconnu. Quand on reçoit le diagnostic, on ne sait pas trop où ça va être deux ans, trois ans. On a, des, on a un cette année qu'on a su 31 ans. Mmh. <laughs> est, on a de, de, de toutes les ça, euh, ce qui est très encourageant à, à la fois. Euh, mais c'est ça, de, de pouvoir savoir qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi les services qui sont à faire. Là, il y a, je vois une panoplie de services qui sont à faire en, en début de course. Donc, c'est super intéressant, euh, très apprécié. Puis pour ceux qui, qui, qui se rapprochent peut-être euh, des, des derniers traitements, mais ça peut peut-être euh, faire un petit bond de savoir... Euh, d'avoir plus d'informations en fait, puis de, de voir, il y a beaucoup de, de maisons, je, je suis étonnée, au Québec, vous avez dit 37, mmh. c'est beaucoup, mmh. c'est bien. Mmh. Parfait, ça, ça se rajoute dans le fond aux services qui sont offerts dans les centres hospitaliers naturellement, mais c'est très mmh. encourageant, merci. Je vais voir dans, dans le chat si on a quelques questions, je vais donner quelques minutes. Euh, je ne sais pas s'il si y avait des commentaires de dernière minute, Karine, par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Bon, on a pas mal tout couvert. Hein? <laughs> euh, là, Moi, si j'ai des choses à ajouter. Oui, ben en attendant euh... de voir s'il y a des questions qui rentrent, si jamais il y a des petits sujets auxquels on voudrait peut-être extrapoler un petit peu en attendant. Euh... Ben, ce que je peux vous dire, c'est que les maisons de soins partout euh, au Québec, euh, il y en a qui sont très petites, qui viennent d'ouvrir. Fait euh, Évidemment, que nous, on est une maison qui a 32 ans derrière la cravate, ce qui fait qu'on a grossi progressivement notre offre. Il y a peut-être des maisons qui, en, qui ont moins d'offres que ça, mais je pense que ça reste quand même des super ressources euh, pour euh, quand il y a, il y a des... Euh, des enjeux de, de gestion des symptômes. Euh, Nous-mêmes, avant d'avoir la clinique, régulièrement, on avait des appels de professionnels pour nous dire, hé hey, là, je, je suis face à telle situation, qu'est-ce que vous me conseilleriez Nous, on, on, a, on a différents outils, là, on, même qu'on en produit un qui est utilisé partout au Québec, là, qui s'appelle le mini-guide. Euh, alors, euh, je pense que ça vaut le coup d'apprendre à, à connaître vos maisons dans, dans, dans votre coin. Parfait. On a un petit commentaire de, de Véronica. Je vais lui laisser la parole à l'instant. Bienvenue, Véro. Ah, je m'excuse, je suis dans le noir, là, mais en tout cas. Euh, mais dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que euh, soins palliatifs, c'est un peu. Euh, c'est vraiment mal connu. Puis euh, je me demande si. En tout cas, je dis n'importe quoi, mais qu'on n'aurait pas changé le terme. Mais c'est juste que moi, j'ai eu. Euh, quand j'ai eu une rechute en 2021, euh, je me suis retrouvée à l'hôpital pendant une semaine, mais j'avais plein de fractures au coude, puis un peu partout. Là. Puis j'avais vraiment, vraiment mal. Euh, puis, euh, dans le fond, j'ai été suivie en soins palliatifs pendant peut-être un mois ou deux suite à ça. Après ça, j'ai euh, commencé des traitements qui ont vraiment bien fonctionné. Là. Mais mon point, c'est qu'on peut avoir besoin de soins palliatifs, même si on n'est pas en fin de vie. Mm -hmm. Puis moi, la preuve, c'est que <laughs> ben, c'est ça. J'étais en, en rechute, puis là, j'ai repris un médicament. Euh, puis là, je suis redevenue correcte. Puis là, je n'ai plus besoin. Mais j'ai eu. Ben, puis là, mais c'était tellement. ça me faisait même bizarre à moi. Je voyais un médecin en soins palliatifs. On m'avait référé. Puis je l'ai vu deux ou trois fois. Après que je commençais à aller mieux, puis là, j'étais comme, ben là, je suis pas à l'orée de la mort, là, c'est correct. Je suis pas obligée de continuer de venir vous voir, mais <laughs> dans le fond, <laughs> c'est ça, c'est que c'est comme mal connu. On pense vraiment que c'est juste comme quand on va mourir que ça arrive, qu'on a besoin ouais. de ces soins-là. Exactement. Puis c'est un peu l'idée qu'on avait ce soir, c'est vraiment de démystifier, mais aussi de mettre l'accent sur la qualité de vie. On a beaucoup mm -hmm. des programmes avec Mielombe Canada, c'est on, on focus sur le, sur le patient, puis on veut y apporter toutes le, les connaissances possibles, mais aussi, c'est ça, le, la qualité de vie, c'est important. Donc, durant le, le cours des traitements, mais c'est important que le patient se sente le, le mieux possible, donc d'aller chercher ces soins-là euh, en plus de, de, de ce qu'on peut recevoir euh, en centre hospitalier. Oui, et puis au centre de jour, là, on a des invités qui sont avec nous depuis l'ouverture en 2015-2016. Alors, c'est des patients que ça fait plusieurs années que chaque semaine, ils viennent leur journée au centre de jour euh, échanger avec euh, d'autres euh, invités. C'est des patients qui sont pleins de vie, là, des invités qui sont pleins de vie. Euh... Euh, qui ont un pronostic réservé dans la mesure où on sait bien que leur cancer va continuer à progresser, mais ce n'est pas un pronostic de quelques semaines. Là. Euh, la moyenne, je pense, est autour d'une année ou deux de fréquentation, quelque chose comme ça. Parfait. Donc, je n'ai pas d'autres questions ou commentaires, mais merci beaucoup à Véronica qui a accepté de... De partager en tant que patient, c'est bien d'avoir euh, une autre optique. Et, et j'ai beaucoup de commentaires qui, qui la remercient d'ailleurs. Donc, euh, comme je vous ai dit, dans le fond, la, la vidéo euh, va être disponible sous peu sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez la revoir, vous pourrez la partager avec d'autres patients ou prochains dents. Il ne faut pas oublier les prochains dents. C'est si plaît. c'est très important. Donc, euh, l'information est bonne pour tous. Euh, que ce soit des amis aussi, euh, juste d'avoir l'information, d'être assuré, c'est très important. Euh, donc, euh, je voudrais remercier euh, Karine de s'être jointe ce soir. Ce n'est pas la première fois qu'elle elle, elle aide la communauté euh, du Miélong. Donc, euh, un gros merci, Karine, et euh, je vous souhaite une très belle soirée.